toujours les différences, éclats de silence, les murs ont des mystères, mille secrets. Regards immobiles, puis les instants fragiles, quand ils font s'envoler des millions d'années. Sur cette terre immense, d'y trouver un peu plus qu'un champ brûlé, pour qu'ils puissent y construire de leurs éclats de rire un chemin vers le ciel illuminé par le soleil. Au fil du temps, au cœur des villes, tous les enfants de l'an 2000 feront les couleurs, les idées d'une autre humanité. Un peu d'amour, un coin tranquille pour les enfants de l'an 2000. C'est ma prière au monde entier, ma raison Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre journal télé sur notre classe de neige qui s'est déroulée à Outrain. Nous allons commencer avec quelques images sur notre départ. Il est là.
Capitaine, capitaine, du Brésil, capitaine abandonné. On arrive. C'est sympa, hein? Ouais, mais il y a pas de neige. Ouais, je préfère sauter, là. Il y a plus de pics et plus. Non, mais c'est ça, Nous poursuivons notre journal avec un reportage sur le ski, première partie. Je peux dire quand j'ai fait plaisir. Tomber là, on va tomber.
après tous ces efforts, il est temps de passer à table. Voici un reportage sur le manger. J'en vois pas. Dans classe de neige, il y a le mot classe. Eh oui, chers parents, nous ne sommes pas en vacances. Nous le prouverons dans ce reportage. Thank you.
Voici un reportage filmé par notre maître Monsieur Bourgeon. De Chorange. Nous avons découvert des stalagmites et des stalactites. Thank you.
Pierre, nous découvrons l'époque des Romains. Il va nous faire jouer, écrire des chiffres romains et faire bien d'autres choses. Reportage. Un bouclier pour se protéger, je ne l'ai pas, et il peut avoir un casque. Il est mieux protégé que celui-là. On a bien regardé, tout le monde a vu le décor. Alors la scène qui est là-bas, où on voit les enfants jouer, eh bien, c'est la cena, c'est le repas du soir. J'en reparlerai tout à l'heure, car les Romains font un très bon repas le soir. Le reste du soir, vous verrez, eh bien, ils s'arrangent, ils trichent un petit peu. Si vous regardez bien, vous allez vous apercevoir que les infantes, vous les avez repérées les infantes, eh bien, portent autour du cou un cœur. On appelle ça une bulla. Ça, eh bien, tous les Romains, vous connaissez un petit peu. Alors, on écrit, la plupart du temps, on écrit sur des plaques de cire. Quand je regarde ces enfants, ils ont des stylets ici, et ils sont en train d'écrire sur des plaques de cire. On connaît le papyrus. Je vous montre. Voilà. C'est lui qui frappe. Est-ce que moi j'ai frappé? Non. Ah non. C'est moi qui lui ai donné l'ordre, dit Bobby. J'enfile ma toge. J'enfile la toge prétexte pour les enfants jusqu'à 17 ans ou pour un adulte. C'était une très belle ville là, c'était très agréable de vivre là. Hein. Les fils doivent être parfaitement. Non, non, on bouge pas, je mange. Là, c'est l'atelier numéro 1. On va avoir trois paquets d'enfants. Dans l'atelier numéro 1, ces enfants, ils vont avoir. Alors maintenant, on peut bien s'asseoir en deux ici et on sait ce qu'on a à faire. Hein. Je rappelle que les petits papiers qui sont en dessous, on les met comme ça, dans le couvert, c'est très bien. Alors, tu les poses bien au fond. C'est comment les enlever? C'est le petit derrière. Commencez par trier par couleur. Très bien, là aussi, continuez. Voilà, puis après, on réétale la cire avec les doigts. Ça veut dire que tu as écrit 1, 2, 3. Et puis tout en chiffre, on va faire. Ça veut dire. Hein. Ça veut dire regarder 127. Bien vérifier 127. Tu t'es assis, c'est bon. Ce vendredi 21 janvier 2000, nous avons la chance de participer à la foulée blanche. C'est une course de ski de fond qui se passe à Autran. Oui, Christian Lera est invité à venir nous rejoindre là, devant la ligne de départ. Christian Lera pour le dauphiné libéré. Merci de bien vouloir nous rejoindre. Eric. Oui, Laurent. Maintenant, on va pouvoir commencer à en donner. Laurent. Oui. On va attendre un petit peu parce que tous les enfants étrangers... Leur... Ah, voilà. Thank you.
Voici un reportage filmé par notre maître, Monsieur Bourgeon. Merci. Les gars, écoutez. Pourquoi? Parce que moi, à chaque fois, je me casse la figure. C'est ça que je suis bien. Comme armée. On retrouve le ski, deuxième partie, où nos élèves font beaucoup de progrès. You think I'd come?
Voilà, notre journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu. À la prochaine rediffusion. Bonsoir. Nothing could change you except